La femme étrangère. C'est quelle est la femme étrangère? Waouh, de quoi parlons-nous ici, les frères et sœurs? Waouh, la femme que Dieu n'aime pas, elle est ici. Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Young Reborn. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Et en dessous de cette vidéo, c'est tout s'abonner. Activez également la cloche, cliquez là-dessus sur les deux. Cliquez sur s'abonner en rouge. Et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos qui vont sans doute vous intéresser. C'est qui la femme que Dieu n'aime pas? Ou encore la femme étrangère? Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde dans nos choix. En fait, c'est le problème du choix. Il faut faire le bon choix. Et le choix, ce choix de choisir sa femme ou de choisir son homme, c'est un choix très, très difficile. Il nous faut l'intelligence de Dieu. Il nous faut la sagesse de Dieu. Il nous faut que Dieu lui-même nous guide sur ce choix-là. Parce que si on fait un mauvais choix, ça risque d'être fatal pour nous, mes frères et sœurs. Quel est le choix que Dieu n'approuve pas? C'est qui la femme étrangère? Nous en parlons ici. Mes frères et sœurs, vous savez tous que nous sommes dans un monde corrompu, dans un monde trop bizarre. Et aujourd'hui, pour trouver une femme de qualité, c'est très difficile. Pourquoi? C'est difficile. Pourquoi? Parce que tout le monde veut ressembler à Satan, en un mot. Toutes les femmes veulent ressembler au diable. Tous les hommes veulent ressembler à Satan. Ou encore, les femmes veulent ressembler aux sirènes. Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est qui la sirène? La sirène, c'est un démon qui se trouve dans l'eau, mais qui a la forme, qui a l'apparence d'une femme. Très belle! Hyper belle. Je ne sais pas si là-dessus cette terre, il y a une femme qui est plus belle qu'elle. Mais à l'intérieur, c'est un démon, c'est un serpent qu'elle a. Terrible, terrifiant. Voici la définition propre et claire de ce qu'on appelle la femme étrangère. La femme étrangère, elle attire le regard de tout le monde. Elle ne passe inaperçue. Elle a tout sur elle qui peut attirer tous les hommes en même temps, au même moment. Au même moment. Elle prend soin de son corps. Elle prend soin de son visage. Elle séduit. Elle attire. Elle provoque la chute des rois. Elle est la base de tous les problèmes de la nation ou encore de la ville. Elle a des faux cheveux. Elle est celle-là même qui n'aime pas Dieu. Voici la définition de la femme étrangère. Et c'est cette femme-là qu'il ne faut pas adorer. Elle a aussi la capacité de faire dévier l'homme de la voie de Dieu et l'amener vers la voie de qui? D'autres dieux, autrement dit des démons ou encore de Satan lui-même. Voici la définition de la femme étrangère. Alors, comment allez-vous faire votre choix maintenant? Comment allez-vous choisir votre femme si vous voulez plaire à Dieu et vous ne voulez pas tomber sur une femme qui a l'esprit de la sirène? Ah! Alors là, ça devient compliqué. C'est vraiment compliqué. Comment allez-vous faire le choix de votre femme? Comment choisir sa femme en ce cas? Ne vous laissez pas séduire, nous sommes dans les derniers temps. Pour ressembler aux bonnes femmes, la femme étrangère peut également se métamorphoser. Elle peut vous prendre plusieurs femmes. Elle peut prendre plutôt plusieurs formes. Plusieurs formes. Ça veut dire qu'elle peut rentrer dans l'église en s'habillant comme Dieu veut. Puisqu'elle connaît la parole de Dieu, elle connaît bien la parole de Dieu, donc elle peut s'habiller exactement comme Dieu veut. Pourquoi? Séduire même qui? L'homme de Dieu. Mais comment la détecter? Comment allons-nous la détecter dans ce cas-là? Et comment allons-vous choisir votre femme?
Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est un problème pour l'Église aujourd'hui. Surtout les jeunes pasteurs qui non mariés, les jeunes pasteurs non mariés. Ils cherchent, dans leur cœur, ils veulent avoir une cote. Mais le problème, c'est qu'ils tombent généralement sur qui? La femme étrangère, la femme que Dieu ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne refusent, à un moment donné, leur cœur refuse d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont séduits par la beauté de cette femme qui a l'esprit de la sirène, sans le savoir. Vous voyez que là, vous savez que l'amour surpasse tout, n'est-ce pas? Et l'amour pour une femme peut te pousser à faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Regardez, la parole de Dieu nous dit quoi? Salomon, le grand Salomon, était l'homme sage qui craignait Dieu. Mais le problème est qu'à un moment donné de sa vie, il allait vers d'autres femmes. Des femmes qui adoraient qui? Des dieux étrangers. Au point où il a bâti des autels à ces dieux-là. Ah, mes frères et sœurs, c'est grave. Salomon, qui est un grand homme, qui est censé être, qui est censé avoir la sagesse même de Dieu, est tombé sur le charme de la sirène. Est tombé sur le charme de ce genre de femme. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est dur de ne pas tomber sur le charme d'une telle femme. Elle séduit, elle attire, mais elle est la femme que Dieu déteste le plus au monde. Et Dieu ne te conseille même pas cette femme. Détourne-toi de la voix de la femme, qui a la voix doucereuse, qui attire le regard. Car c'est celle-là même, la femme étrangère. Elle t'attire, elle te dit, viens dans ma maison, viens chez moi, mon mari n'est pas là, nous allons boire une liqueur forte et partager un moment de joie. Un moment de plaisir intense. Voici les caractéristiques de la femme étrangère. Tout ça, ça se trouve où? Toute cette description se trouve où? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous rejetez aujourd'hui, c'est celle-là même là qui va vous sauver. Qui veut vous sauver. Mes frères et sœurs, si nous crions aujourd'hui, c'est parce que c'est grave ce qui se passe. Voici l'histoire. Vous savez que dans ce monde, les démons des eaux ou encore des sirènes descendent jour et nuit dans notre monde pour compliquer la vie des gens ou pour compliquer la vie des hommes ou pour détruire les foyers. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous allez comprendre aujourd'hui pourquoi Dieu lui-même nous dit de ne pas s'attacher à la femme étrangère ou encore la femme que Dieu lui-même il n'aime pas, déteste. Vous savez que la femme étrangère, elle attire. Parce qu'une femme attire un homme. Un homme qui fréquentait les boîtes de nuit. Attention! Attention! Les endroits privilégiés des démons, ce sont les endroits où on retrouve généralement où les satanistes ou ceux qui n'aiment pas Dieu se retrouvent. C'est là que les sirènes fréquentent. Ce sont des gens de lieu que les sirènes fréquentent en général. Et c'était une boîte de nuit ce jour-là. Quand il est arrivé dessus de cette boîte de nuit, vous savez que dans les boîtes de nuit, souvent c'est noir. Tout est noir là-bas. Et il est tombé sur le regard de cette femme. La lumière est passée, il a regardé son... il a vu ses yeux. Deuxième lumière, il regarde sa forme. Là-bas, les gens sont presque nus là-bas. Pourquoi? Bon, l'habillement de maintenant, c'est bizarre. Surtout que c'est une sirène, elle va s'habiller de façon sexy, comme vous le dites. Ha! Et elle attire le regard de cet homme. Et cet homme s'est laissé séduire. Une bise. Elle l'a carrément ensorcelé. Depuis ce jour-là, cet homme n'est plus la même personne. Il a oublié sa femme. Toujours. Il pense que, toujours quand il sort, qu'elle est dans sa voiture et qu'il pense à elle seulement, elle apparaît. Comment ça s'est fait? Au premier instant, il était étonné, il était surpris, mais comme il était déjà séduit, il aimait, il s'intéressait même plus à tout ce qui était autour. Il se disait que c'était des détails.
Mais ce sont ces détails-là qui vont provoquer sa chute plus tard. Regardez, à un moment donné, partout où il passait, elle était là. Elle allait partout. Et il couchait avec elle, non-stop. Alors que vous savez qu'à un moment donné, on s'épuise. Quand on a des rapports sexuels intenses, on s'épuise, n'est-ce pas? Absolument. Et ils étaient épuisés. Il était épuisé. Mais il devait toujours avoir quoi? Des rapports sexuels avec elle. Intenses. Parce qu'elle demandait cela, que cela, que cela. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'elle était épuisée, sa force et son énergie et son pouvoir. À un moment donné, quand elle a senti que cet homme commençait à être faible ou encore à essayer de se débarrasser d'elle, elle lui a tenté, tendu un piège, un accident. En fait, pendant qu'il conduisait la voiture, il y a une voiture qui est sortie de nulle part, qui les... C'est-à-dire, de justesse à esquiver. Lui, il était étonné, mais la sirène, elle était là, immobile, comme si... le plan a échoué. Donc, elle cherchait maintenant à tuer cet homme. Tuer cet homme. Je vous ai dit, la femme étrangère, elle tue. Elle tue. Lisez le livre de Salomon. Ou sur la chaîne, il y a une playlist qu'on appelle « Voici la parole de Dieu ». La parole de Dieu est là. Et le livre de Salomon est traité en audio pour vous. Attachez-vous à la parole de Dieu et libérez-vous des femmes étrangères. Ne vous laissez pas séduire. Comment faire pour choisir sa femme dans ce cas? Mon frère, ma soeur, Dieu parle en songe, Dieu nous parle. Dieu lui parle par plusieurs moyens, mais l'homme ne s'y rend pas compte. L'homme ne prend pas garde. Dieu parle en songe. Si vous priez beaucoup et que vous vous attachez à la parole de Dieu, et que vous lisez constamment tous les jours, vous allez voir que Dieu va vous révéler des trucs en songe. Et ce que vous voyez en songe, mes frères, sachez que c'est Dieu qui parle ici. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas un film. Un songe est plus réel que la vie naturelle. Pourquoi? Parce que c'est votre âme là-bas qui opère, qui travaille, qui répond à votre place. Attention les frères. Quand vous avez un songe, ou encore, que vous appelez généralement les rêves, on appelle ça des songes quand ça vient de Dieu, quand vous naître, vous ne vous y attendez pas et que ça vient. Quand vous avez un tel songe, où le Seigneur vous révèle que telle ou telle femme a un problème, faites attention, c'est qu'elle a vraiment un problème. Elle a vraiment un problème. Si vous faites un songe où Dieu vous dit que tu es appelé à de hautes gloires et que cette femme n'est pas de toi, elle a même un mari, un copain, fais attention. C'est même pas ta femme du tout. C'est la femme d'autres personnes que tu vas prendre. Physiquement même, elle peut te mentir qu'elle n'a pas de copain. Mais dans le secret, elle a quelqu'un dans sa vie et elle te le cache. Voici comment Dieu révèle la vérité sur la femme étrangère. Dieu peut même te révéler que cette femme se trouve dans l'eau. Si tu fais un songe où tu vois que cette femme en question se trouve dans l'eau, faut t'écarter de cela. Écarte de ce chemin. Où tu fais un songe, où dans le songe, elle attire les regards. Elle attire les regards où elle séduit plusieurs hommes à la fois qui vont avec elle. Mon frère, Dieu te parle. Tu fais quoi? Sors de là, débarrasse-toi de ces choses. Reviens à Dieu. Abandonne cette voie. Maintenant, si tu es attaché à une sirène, ça, il va falloir chercher un vrai homme de Dieu qui va te délivrer ces choses. Autrement dit, accroche-toi à Dieu. Et prie beaucoup. Et à chaque fois qu'elle viendra, faut la rejeter. Faut la rejeter. Une fois qu'elle verra que tu pries et que tu adores Dieu, loue, chante Dieu, ça sera difficile pour toi, pour elle, d'opérer facilement. Mais elle peut te séduire encore à ce moment-là. Elle va s'approcher devant toi avec son aspect sexe joli, belle, pour te séduire sexuellement. Ah, ne tombe pas dans son piège. Parce que là, si elle te cherche, là, qu'elle a eu cette occasion, elle risque de t'éliminer sur le champ. Ça veut dire que ceux qui ont réussi à entrer en contact avec la sirène sont dans un problème sérieux. Mais avec Dieu, aucun problème n'est aussi grave ou aussi sérieux. Lui, il peut te délivrer de ces choses. Alors, reviens à lui, cherche un vrai homme de Dieu, ou toi-même, prie, combat la sirène. Même si tu cherches un vrai homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, c'est bien.
mais toi-même tu dois prier aussi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, cette sirène, elle va revenir. La femme étrangère reviendra pour te séduire encore. Il va falloir que tu sois prudent et tu restes sur tes gardes jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin, mon frère, jusqu'à la fin. Cette vidéo a été longue, ou du moins un peu longue, mais il fallait que nous vous disions toutes ces choses pour vous prévenir que sur la terre, nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des démons qui arrivent dans ce monde et qu'il y a même la femme étrangère et qu'il y a des choses graves qui se passent dans ce monde et que vous devez être informé de ces choses. Il faut que quelqu'un vous raconte ces choses, vous parle de cela. C'est pourquoi Union Scribon est née. Abonne-toi sur cette vidéo, active la cloche, tu n'es pas manqué la prochaine vidéo. Et je te dis, sois prudent et ne t'attache jamais à la femme étrangère ou encore aux sirènes. Non, c'est pas.